Bonjour tout le monde, c'est Oblou et aujourd'hui on va parler d'un nouveau concept et je vais vous le montrer directement en vidéo parce que j'ai plusieurs choses à vous dire en fait. Alors du coup j'ai avec Yann on a parlé longuement, c'est pour ça aussi que j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. C'est parce que en fait je me suis rendu compte moi-même que je commençais beaucoup de let's play et que je les finissais pas. Et que ça faisait trop. Et du coup j'ai décidé de ne garder qu'un let's play à chaque fois maintenant. Et du coup j'ai décidé de garder le let's play que je faisais de Watch Dogs. Parce que quand je fais le let's play de Watch Dogs, j'essaie de les garder les autres. Soit je vais les laisser, mais je les continuerai un peu plus tard. Parce que voilà. Ouh, ça je serais tombé, je sais pas. Mais du coup, on a décidé de faire avec Yuma, je sais pas si elle le fera avec moi ou pas, de faire un nouveau type de vidéo qui seront des vidéos découvertes des jeux que j'aurai. De tous les nouveaux jeux que j'aurai. Pour faire des vidéos totalement découvertes où je découvre tout le jeu réellement. Sans a priori, sans rien, et vous donner en direct mon avis et mon ressenti sur le jeu. Et du coup, aujourd'hui, alors je ne sais pas quoi faire, je viens de trouver un point de vidéo pour ce nouveau concept. Et bien sûr, il y aura toujours les mode run qui sont des vidéos à part. D'ailleurs, je vous en réserve un petit qui. Enfin, bon, je verrai sur quoi je vais faire. Et là, du coup, je vais faire ce nouveau concept où je vous ferai découvrir un jeu sur Dead Space 3 qu'on a eu gratuitement mercredi sur le PS Plus. Voilà. Du coup, on est parti. Désolé de m'acheminer, mais il fallait que ce soit bien clair et important. Et d'ailleurs, je remercie, il y a une personne qui m'a mis en super beau commentaire sur let's play de Final Fantasy 10 HD que du coup bah, j'ai bien envie de reprendre parce que c'est vrai que ça rend très très nostalgique et qui disait que il aimait bien let's play et que, du coup il avait regardé tous les épisodes mais comme je me suis arrêté au 10e ou 12e épisode je crois mais il serait un peu triste du coup je conseille de regarder cette vidéo pour savoir pourquoi et du coup oui je le continuerai à un moment je le continuerai. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour moi, j'ai un peu de mal à faire des vidéos. C'est pour ça que ça fait 5-6 jours que j'ai pas fait de vidéo je crois. Sachant que je fais des grosses. Alors des vidéos totalement découvertes, hein, par exemple de grosses grosses vidéos, seront des vidéos. Je vais faire des longues gameplays, je vais jouer normalement pour moi. Je vais faire des vidéos de 2-3 heures et je vous les couperai et ça sera coupé en petits épisodes. Ce sera pas des let's play, ce sera juste une grosse vidéo découverte du jeu, mais pour une bonne découverte du jeu. Parce que je pense que 2-3 heures pour un jeu c'est suffisant pour voir ce qu'il peut donner. Et puis comme ça, moi je pourrais y jouer. Et en let's play, je sais pas ce que je vous ferai après Watch Dog. Je sais que je vais vous faire des vidéos quand il y aura la bêta de Destiny le 17 juillet, là, donc pas très longtemps, dans une semaine et demie. Parce qu'il va y avoir la bêta de Destiny, je vais pouvoir enfin mettre la main sur Destiny et y jouer. Et du coup, que j'attends avec grande impatience la bêta, j'ai vu des vidéos de l'alpha et ça donne vraiment envie de jouer et je vous ferai des vidéos sur. Sur la bêta et peut-être si je trouve le temps je vous ferai un petit live sur Destiny parce que les lives c'est un peu compliqué parce que je peux faire des lives avec la PS4 mais le truc c'est que je trouve que la qualité n'est pas trop forcément là. Pas pour moi, moi je trouve que la qualité vidéo n'est pas forcément là. Après, faut regarder ce que vous en pensez vous sur Twitch. Désolé, c'est mon
téléphone qui me parle. Et du coup, faut me dire si vous voulez que je vous fasse des petits lives. Ouais, souvent, je fais une heure de live. Ok, mon pseudo sur Twitch, c'est Oblou. Enfin, c'est vous cherchez Oblou sur Twitch et vous trouvez ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Donc, on peut faire paramètres, machin. On va régler les paramètres. Tout ça. J'aime beaucoup le menu. La luminosité. Très important ce que. Ouais. La musique, on. Ah, ce titre, on met les sous-titres. On met les sous-titres. Parmi les petits jeux, enfin, c'est quoi? Ça vaut mieux la lumière éteinte. Normal ou difficile? On va mettre normal. Je joue souvent normal. Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre qui fut trouvé sous le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie. Mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort. Les nécromorphes. Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. À ce jour, elle prospère. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit. Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. Les archives de cette époque sont floues. Mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, ou dans notre intérêt. Elles auraient dû rester. 200 ans plus tard, lors d'une opération de forage illégale sur Régis 7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies. Le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clarke. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau les plans du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé, et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur Régis 7. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clarke, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus, dans l'espoir de se tenir à distance de leur pouvoir destructeur. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Toute l'histoire un peu de l'espèce du premier
au 2, ainsi de suite. Et aussi aux épisodes, style sur téléphone ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'épisode sur téléphone que j'aime beaucoup, qui est le premier d'espace que j'ai joué. Alors, j'ai joué au 2, que je trouve très bien. Et au premier qu'on a eu gratuitement aussi sur Origin, qui est franchement très très bien. Le premier, j'aime beaucoup. Je comprends les gens qui adorent le premier. Ils ont raison. Bon, je sais que celui-là est apparemment plus tourné action quoi que ce soit, mais ça m'intéressait de l'avoir comme il manquait que celui-là du coup. Je voulais y jouer réellement. Du coup là, découvrir, ça fait plaisir. Roméo Alpha, W250. Roméo Alpha, W250. Serrano, vous m'entendez? Tim, Dieu merci, vous l'avez? Qu'est-ce que je fais? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien, suivez le traceur jusqu'au bout. Je ne peux pas en dire. Allez-y, vite. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Quoi? Ah d'accord, ça commence bien. Par contre, je trouve ça magnifique. Plaisir à toi. Papy est magnifique. Je sais plus c'est lequel. Ça va pas marcher, on va continuer dans la... Ça va la tempête. Hein. Qui fait environ 50 cm. Vous le voyez?
pour l'instant, je vois rien du tout. Il n'y a pas une caisse là? Non, il n'y a pas une caisse. Ça devait être franchement RD à... pour tirer. Non, je peux pas faire ça dans les options. L'habitude d'amener de la PS4 paramètres configuration manette. Voilà. Bon, il faut écraser. Ah, est-ce que c'est écrasé? Bon bah on va laisser comme ça. Faut juste que je m'habitue. Excusez-moi. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que t'es pas très gentil, monsieur. Franchement, pour l'instant j'aime bien. Même si c'est plus ton érection, c'est. Puis ça reste dispace quoi. Qui s'inscrit beaucoup dans la lignée des. Je peux pas passer par là, là. J'ai envie. Non, apparemment on peut pas. Ça aurait été cool. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça pue. Alors moi, mon espèce. Je tire sur tout ce qui bouge. Je sais pas. Même ce qui est mort. Je crois que t'es de la merde, mec. Mais oui, mais bien sûr, allez. Dans la merde. Non, c'est vrai. Oula. Ah, faut que je suis au long. Wow, aïe. Aïe. Vas-y, cours. C'est très la scène épique. Fou. Maintenant t'es éclates de vie, t'es en vie. Ah, enfin, éclate pas de rire, au moins il sourit parce qu'il a envie. C'était de vaillants soldats, jusqu'à la fin. Général Mann, chef. Où est passé le professeur? Earl Serran, toujours aussi optimiste. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre, et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Tu aimes la terre, petit. Ta mère, ton père. Oui, chef, bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. T'es méchant.
Le plus difficile. Franchement, à quoi ça sert? C'est un peu vieilli quand même, Isaac. Isaac Clark, foutez-moi la paix. Non, c'est le voisin. C'est lui? Vous êtes qui? Levez-le. Debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non. Non! J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission? Déjà fait, juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle? Elle est en danger? Où est-elle? Les unitologues ont infiltré le Pexus. Ils sont partout. Capitaine, on n'a plus le temps, on y va. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Okay. Là. On n'a pas vraiment le choix. Faut qu'on bouge. On va regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ça, je viens d'entendre. Lecture, message 33, 2, sur Terre immobile. Message à l'attention des occupants de l'appartement 13. Votre loyer est en retard. Ceci est votre dernier avertissement. Payez tous 3 jours ou vous serez expulsé. 2 ans, je me casse. Alors, dès que le loyer, hein, franchement, j'en ai un peu rien à... Ah, je crois qu'il y avait un cadavre. Je vois des cadavres partout dans ce jeu. Ok, c'est bon. Je vais vous aider. Où est Ellie? Quand est-ce qu'elle a disparu? La ferme. Contentez-vous de nous suivre. On verra plus tard. C'est par là. Alors on va prendre l'ascenseur. Franchement, le coin où j'ai abrité le mec est peut-être sorti. On peut prendre l'ascenseur. Je sais. Hey, je peux savoir qui vous êtes? Dernier contingent terrestre. Je suis Norton, capitaine Norton. Voici le sergent Carver. Dernier contingent terrestre? On est le dernier, c'est tout. Il n'y en a plus d'autres. RAS. Il n'y en a plus d'autres? Et voilà, venez! Thomas, en voiture! Vite, vite! D'abord.
crois que mon retard a explosé. Aïe. Et je me suis suicidé. Quand j'ai joué à la démo de Space 3. Je me rappelle même plus. Isaac, bougez ! À couvert, vite ! Là ! Ouais, c'est bon, je crois qu'on va devoir courir. Ah. Ça. Oh, c'est vrai. Ça. Ok, alors cette œuvre de couverture elle est un peu bizarre. Je peux pas dire pour rien, mais bizarre. Pourquoi que la musique est. J'aime bien la musique. J'aime bien explorer les trucs où je vais pas aller. Bonjour, je veux juste qu'on me foute la paix. Norton, ce sont des unitologues. Pourquoi ils veulent nous tuer? Nous, c'est vous qui veulent tuer. Quoi? Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Espèce. En gros, démerde-toi. Je veux bien partir, mais... Ah, ok. Il y a une nickel, là. Ces gens. Pourquoi ils veulent nous tuer? Vous avez détruit des monolithes, Isaac. Vous êtes donc une menace pour eux. Quoi? Pour leur apocalypse prophétique liée aux monolithes. Convergence? Ouais, Ellie vous voit comme un messie. Ellie a disparu et ces types vous suivent? Oui, rendez-vous sur le toit de Dredger Corp. Une équipe d'extraction vous attend. Ok. Ok, bon, on va essayer de l'argent. Je pense qu'on a l'air d'être en sécurité. Ça doit être un point de sauvegarde ou un truc comme ça. Pas très gentil toi, pourquoi tu l'as tué? Aïe, mais il y en a dessus de ma tête. Foutez-moi la paix, c'est pas moi. J'ai rien fait, je veux juste qu'on foute la paix. Ah, encore une fois, tout distance que j'ai donc. J'ai atteint la route. Je vais trouver un moyen de traverser. Tout est automatisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah, j'ai toujours mon module de stase. Je vais ralentir le trafic. Voilà. Oups.
Le trafic est ralenti. Au moins. Ah, le trafic ne passera plus. Si t'es mal à terre, mais... Aïe. C'est tout. Si vous pouviez mourir, ça m'arrangerait les gens. Ok, c'est par là. Comme dans tout jeu, il faut fouiller un peu. Soin parfait. Toujours plus. Quoi? Comment que t'as dit là? Canard, c'est ça? Attends, t'es où? T'es où? T'es où mon mignon? T'es pas là? Ah, on va te voir. Je t'ai vu bouger le pied, j'ai pas arrivé. T'as bougé. Oh, pas...